Un deuxième groupe de soldats kényans de la force régionale est-africaine en République démocratique du Congo a atterri mercredi à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, 4 jours après l'arrivée d'un premier contingent d'une centaine de soldats. Ils seront rejoints par des troupes d'autres pays d'Afrique de l'Est, devant aider le gouvernement congolais à combattre les rebelles qui contrôlent actuellement certains territoires. C'est en juin dernier que les chefs d'État de l'Afrique de l'Est ont approuvé la création de cette force régionale. Le général Tshikotshi Tambwe fond dans ses espoirs, dans ce soutien. Je sais qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC. Nous avons comme priorité le M23 et cette agression rwandaise. As a force commander, that is very clear to me. En tant que commandant de la force, c'est très clair pour moi. Nous sommes ici pour protéger et défendre l'aéroport international de Goma, y compris le quartier général de la force, pendant que les autres processus se poursuivent. En plus des soldats kényans, cette force comptera 2 bataillons de l'Ouganda, du Burundi et du Soudan du Sud. Le commandant kényan Jeff Niaga dirigera les opérations qui s'articuleront sur plusieurs axes stratégiques. La guerre n'apporte pas nécessairement la paix. Vous devez poursuivre la diplomatie. Le deuxième point sur cette voie, qui est très important pour vous, c'est la question du désarmement et de la démobilisation. Il ne s'agit pas seulement de cibler le M23, car nous semblons tous nous concentrer sur le M23, mais il y a plus de 120 groupes armés dans l'est de la RDC. Et ils sont à l'origine d'un degré important d'insécurité. Si ces deux voies échouent, alors nous passerons automatiquement à la troisième voie, c'est-à-dire à l'action militaire. Contrairement à la MONUSCO, la force est-africaine est une force d'intervention et non une force de maintien de la paix. En attendant, les affrontements se poursuivent entre l'armée et les rebelles du M23.